on a travaillé avec Grégoire, qui est mon co-scénariste. On s'est plongé dans l'œuvre et on avait du mal avec le personnage de la mère, de Nicolas, qui pouvait facilement avoir un côté très lisse, c'est-à-dire, enfin lisse, c'est une maman qui aime son enfant, qui fait à manger, qui gronde le père quand il salit les canapés le canapé du salon. Et un jour, on tournait autour de ça comme ça, et j'ai dit à Grégoire, je commençais à avoir une idée, j'ai dit, écoute, imagine que ce soit Valérie Le Mercier. Et il a dit, ah oui, d'accord, effectivement. Et parce que ça apportait une certaine folie au personnage, et ça nous a aidé pour le coup à créer le personnage de la mère, qui est dans le film, qui est un vrai départ par rapport à celui du livre. C'est-à-dire que c'est une femme qui, dont tout d'un coup, on sent qu'il y a une vraie frustration. On est dans les années 60, les femmes s'émancipent et elle est mère au foyer. Mais en fait, on comprend qu'elle nourrit elle aussi des rêves, des ambitions elle aussi. Elle a envie d'apprendre à conduire, elle a envie de se cultiver, de s'émanciper. Je ne veux plus de ce dîner avec les mouches boum. Quoi? Pourquoi? Parce que je n'ai pas de robe, que je n'ai pas de bijoux et que je ne sais pas conduire une auto. Et en même temps, il fallait, pour des raisons de comédie, que ça amène une situation catastrophique. Et donc, il nous fallait un personnage qui puisse emporter tout cet aspect-là de l'histoire avec une touche de folie, quoi. Et donc, on a écrit vraiment le personnage pour Valérie. Le conte des syllabes et l'accentuation, la même.